principal de caractère? La volonté. Votre plus grand défaut? La timidité. 1962. Votre qualité préférée chez l'homme? L'indulgence. Et chez les femmes? La même chose. Votre personnage historique favori? Mademoiselle Chanel. Vos héros favoris dans la vie réelle? Les gens que j'admire. Qui auriez-vous aimé être? Un beatnik. Quel est votre idéal de bonheur terrestre? Dormir avec les gens que j'aime. Le comble de la misère? La solitude. Où aimeriez-vous vivre? Au soleil, au bord de la mer. Quel don aimeriez-vous avoir? La force physique. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? La trahison. Quel est votre peintre préféré? Picasso. Quel musicien? Bach et les musiciens du 19e siècle, d'opéra. Quelle est votre couleur préférée? Le noir. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le snobisme de l'argent. Et avez-vous une devise? Je permettrai de prendre celle des Noailles. Plus d'honneur au singulier que d'honneur au pluriel. Et dans la vie, vous aimeriez faire quoi maintenant? Ce que j'aimerais faire, j'aimerais partir. Partir pendant très longtemps, sans rien faire, tout oublier, et revenir voir si j'ai toujours envie de faire des robes.
1966. 1966.
musique peut-être. 1971. Thank you.
Se trouver, c'est avoir un regard implacable sur soi-même.
du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, que tout blanc et gris faisait aux genoux, que ce fut j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Si vous vous souvenez-vous, à vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venus au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire.